Musique du grand magasin, c'est un étage où je me permets de temps en temps d'avoir un artiste en direct et voilà pour jouer un morceau parce que je fais plus les nuits ébrées. Ah, c'est fini, je sais. Mais moi je ne les fais plus parce que si tu veux, j'ai donné énormément pendant les 2 ans et j'étais à fond. Ouais, j'étais au taquet, tellement au taquet qu'à la fin, je me suis dit il faut que je passe le relais parce que je veux pas être saoulé les gens pour trouver une certaine fraîcheur, faut changer. À la fin, les artistes, je leur fais la bise, ça veut, ah, je suis pas Nagui, j'avais envie de toujours être Michel en danger, ouais, ou Drucker, tu vois. Et c'est pour ça que, enfin, même quand quelque chose marche bien, c'est justement quand ça marche bien qu'il faut essayer faut changer pour se renouveler, c'est vraiment ça. Comment t'es arrivé à Nova? Oula, moi je suis arrivé à Nova, donc il y a presque 10 ans maintenant, en stage. Ouais. En fait, j'étudiais la place des comédiens noirs en France. D'accord. Parce que moi, j'ai fait des études de littérature théâtrale à Sancy. Mmh. Et en bonne dernière de la classe, à chaque fois, tout le monde avait trouvé son lieu de stage. Mmh. Moi, j'étais là en galère, mais où est-ce que je vais? Tout le monde était pris. Hein. Mmh. Tout le monde faisait son stage à Théâtre Gérard Philippe, à Sani. Aliza Fanoukoué, bah, toujours pas, je sais pas et tout. Et en écoutant Nova, à l'époque, j'étais aussi vendeuse à la Fnac Service. Très précis tout ça. Fnac Service de Levallois Perret, figure-toi, bon bref. Et j'écoutais toujours à heure fixe les bons plans de 18h. Et à l'époque c'était Marouchka avec B2V qui faisait les bons plans dans l'émission qui s'appelait Picabou. Et un jour, je sais pas d'où c'est venu cette idée, j'ai dit mais oh, mais eux, comme c'est un média plutôt ouvert, ouais, et tout, c'est ça. Ils doivent savoir. Et souvent, dans les bons plans, ils parlaient de pièces africaines qui étaient jouées à tel endroit et tout. Je me suis dit, mais eux, ils doivent savoir la propension de comédiens noirs qui jouent, puisqu'ils en font la promo. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais aller les voir. Et c'est comme ça que je me suis pointée à Nova. En même temps, j'ai récupéré une place pour une avant-première et j'ai fait connaissance avec Sylvie Bonhomme, qui était à l'époque à l'accueil. D'accord. Et au début, elle me dit, non, on cherche pas de stagiaire. Un peu comme moi je fais aujourd'hui, alors on cherche personne, on est complet et tout, puis bon, je fais bon, c'est pas grave. J'ai pas lâché, enfin, j'ai quand même continué à discuter avec elle, on a fait connaissance. Et puis je crois qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle m'a trouvé plutôt sympa, elle m'a dit, bon, on sait jamais, envoie ton CV. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait pas me dire? Je suis rentré chez moi, CV, j'ai écrit une lettre de motivation, je crois qu'aujourd'hui, jamais je ne réécrirai une lettre comme ça. Un peu farfelu, un peu genre, moi je suis fan, enfin, un truc. Au culot, ça passe ou ça casse. Et c'est passé. Voilà. Au lieu de l'envoyer, je suis revenue le surlendemain. Elle se rappelait de moi, évidemment. Elle m'a dit, bon, bah, ok, on sait jamais, je donnerai ton dossier. Et je te jure, la semaine d'après, j'étais appelée par Yannick et Mélu. En l'occurrence, Mélu, qui faisait la matinale de Nova, jamais sans mes fibres. Et il me disait, est-ce que t'es disponible pour un entretien? Voilà, on a lu ta lettre, on a aimé, on aimerait bien te rencontrer. Tu es aussi, t'as été aussi animatrice et coordinatrice des Nuits Zébrées, c'est ça? Oui, oui, mais en fait, attends, je voudrais dire quand même que les Nuits Zébrées, c'est mon idée. Non, mais c'est ton idée. Non, mais c'est mon idée avec Marc Hachlimi, directeur de l'antenne. D'accord. C'est une idée que j'ai eue à l'époque. Il y avait encore Marc-Alexandre Milenvoix qui était lui aussi, qui chapeautait toutes les... qui était directeur de la rédaction. Je disais, Marc, moi j'ai envie de faire un truc. En fait, je sortais du Nova Mix. Et j'avais envie de faire des émissions dans les clubs. Je lui ai dit, mais je veux du live, j'aimerais bien faire un peu une partie live, une partie mix. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée. D'accord. Le titre Nuit Zébrée, c'était l'idée d'un mélange des genres chaud-froid, blanc-noir, mix live. C'est ça, en fait, au départ, le zèbre, c'est pour les différents aspects que peut avoir une soirée avec un artiste. Il peut être en DJ set, il peut être en live, il peut être à la cool dans un studio et parler avec une animatrice, il peut être avec des gens dans un forum, enfin voilà, c'est comme ça qu'est venu. Et effectivement, moi j'ai présenté donc les Nuits Zébrées sur les 2 premières années. C'était tous les vendredis à l'époque, donc c'était assez sportif, hein, de 20h à minuit en direct de la Seine-Bastille. Et voilà, ça a été 2 ans de folie. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens formidables, Omar Sosa, Jimmy Lidl. Enfin bon, après c'est très vite, ça a pris une ampleur qu'on n'avait pas prévue. C'est-à-dire que au début, ça devait être une façon de faire de la radio en dehors d'un studio. Et puis on s'est retrouvé à louer des pianos pour pouvoir accueillir Maxence Cyrin ou même Gonzalez. On s'est retrouvé à louer une grosse batterie, tout un matériel particulier pour Tony Allen. Enfin, ça a pris de l'amplitude. Grave. Et c'est ça qui est génial parce que on a été un petit peu comme surpris par notre propre succès et il a fallu s'adapter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bougé de la Seine-Bastille.
pour avoir plus grand avec la Bellevilloise. Donc toujours à Paris, mais très vite, c'est pareil, on s'est baladé, les Nuits Zébrées sont devenues itinérantes et on va dans toutes les villes où Radio Nova émet, quoi. Donc, bon.